Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers amis. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est parti pour la campagne Halo. Donc, on va commencer bien évidemment du 1er jusqu'au 4, tout en attendant cette fabuleuse sortie de Halo 5, que j'attends vraiment avec impatience. J'espère que ça sera. Donc, je vais faire le maximum pour vous faire plaisir. S'il y a les moindres remarques, n'hésitez pas de me faire un petit commentaire, positif ou négatif, comme je l'ai précisé. Si vous remarquez, donc, contrairement à la première vidéo, j'ai amélioré la qualité du micro. Je m'étais trompé, j'avais utilisé mon ordinateur, ça a fait une qualité complètement dégueulasse. Donc, j'ai rectifié ce tir. S'il y a des choses qui sont gênantes, que ce soit la qualité, que ce soit mes commentaires, que ce soit ma qualité de jeu ou bien les voix, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis là pour débuter, pour m'améliorer et surtout pour que vous puissiez vous faire plaisir. Voilà, donc sans plus attendre, on va lancer la première mission d'Halo. Si je me trompe pas, je l'avais débuté en coopération, tout en ayant une difficulté classique. Donc hop, les missions. On fera une mission par vidéo, que ce soit 20, 50, 1 heure, je ne sais pas. Je sais simplement que je vous ferai une vidéo pour un épisode, pour une mission, ce qui fait qu'on aura quasiment 40 missions, ce qui fait quand même un petit paquet de vidéos. Voilà, donc sans plus attendre, je balance la sauce et c'est parti. Les options visuelles remasterisées, bien sûr. HUD de score, allez, soyons fous, ça fait du bien, un peu de score. On va afficher les options. On va éviter de faire le légendaire comme je fais habituellement. Je sens que je vais trop mourir. On va le faire en normal. Je ne me casserai pas les pieds à chercher les crânes. S'il y a des crânes dans le remasterisé, je ne me souviens plus. Je vais simplement faire les missions pour que tout le monde puisse découvrir les missions de Halo s'ils n'ont pas eu l'occasion d'y jouer et s'ils veulent avoir un suivi. Ça va être principalement ça mon objectif. Que les missions soient connues de tous, pour tous ceux qui ne peuvent pas acheter les précédents jeux, pour ceux qui veulent connaître l'histoire depuis le début. Donc je vais faire mon maximum pour vous faire plaisir. Et donc on va faire éclater les petites têtes parce que j'aime bien ça. Tac tac tac. Et voilà, ça devrait aller. Normal, crâne activé, juste un, le score, c'est parti. Allez. 1, 0. Je ferai en sorte de pouvoir couper ma voix durant les cinématiques. Je ne sais pas vraiment comment le gérer pour le moment. Donc si vous avez des programmes... Hop, on continuera après. Cortana, je veux seulement savoir si on les a perdus. Je crois qu'on connaît tous deux la réponse. On ne savait pas où on allait. Comment sont-ils ? Arrivés ici avant ? Leurs vaisseaux ont toujours été plus rapides ? Pour nous pister depuis Reach à vitesse lumière, mes options de manœuvre étaient limitées. On était dans le noir, hein ? Avant de décélérer, personne n'aurait pu manquer ce trou dans le sous-espace. Il nous attendait de l'autre côté de la planète. Alors, qu'en est-il ? Nos chasseurs éliminent en ce moment leur dernière unité de recours. Rien de sérieux. Mais j'ai isolé les signatures d'approche de plusieurs groupes de combat de classe CCS. Avec 3 vaisseaux majeurs par groupe, ils seront sur nous dans environ 90 secondes. Bien, on y est. Rétablissez l'alerte Alpha sur le vaisseau. Je veux voir tout le monde à son poste. Tout le monde ? Tout le monde. Au fait, Cortana. Accueillons chaleureusement nos vieux amis. J'ai déjà commencé.
Attention à tout le personnel de combat. Veuillez rejoindre vos postes. Cinquième section, fermez les sas du pont 11. Quatorzième section, retrouvez la section tactique 22 à la cloison Charlie 14. Vous avez entendu la dame? Allez à Poldner! Ce n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Encore une fois, on doit finir ce que les pilotes ont commencé. On quitte ce vaisseau, les gars! Et on attaque les Covenants sur la terre ferme! Quand on va leur tomber dessus, on va leur faire sauter la cervelle et bien rigoler! J'ai raison, Marines? Oui, sergent! Ça oui, j'ai raison. Allez en route, et que ça saute! Votre attention à tout le personnel. Nous attaquons de nouveau l'ennemi. Contact externe et interne imminent. Et vous, les bleus qui vouliez voir des Covenants de près, vos rêves vont être exaucés! Waouh! Monsieur? Bien. On attend le dégel. Ok. Systèmes fondamentaux activés. Ouverture dans 30 secondes. Ça y est! Ouverture dans 5 secondes! Les systèmes sont au vert, cycle terminé. Ah, nous revoilà avec désolé ce bon petit John. Les choses se précipitent. Vous reprendrez vite vos esprits. Bon, il est un peu carré dans le bienvenue, chef. On va vous préparer tout de suite pour le combat. Regardez autour de vous, chef. J'ai besoin d'un relevé de calibration pour diagnostiquer votre combinaison de combat. Bien, merci, chef. J'active vos indicateurs de santé, chef. Hop, par contre, j'avais tout re-augmenté. Non, en fait, non. Combat rapproché, non. Excusez-moi, c'est vrai que je me souviens plus vraiment. Action rechargée. On va rester comme ça pour le moment. Comme je vous disais, si vous avez des programmes, que ce soit pour les vidéos, pour les enregistrements, pour tout, les montages à me proposer, je suis tout à fait ouvert. Signes vitaux normaux. Donc, sachant que je pense commencer avec Adobe Premiere Pro. Vous pouvez sortir du tube cryogénique. Donc, dites-moi s'il est suffisant ou si c'est mieux de prendre d'autres programmes, plus faciles pour commencer ou autre. Sachant que je suis avec un Asus 8Go de mémoire vive, autour de la baie cryogénique avec et un petit disque dur d'un Tera. Logique, plus la 1 Tera qui est intégré à l'ordinateur. Donc, logiquement, je pense ne pas être vraiment bloqué. Mettez-vous sur le carré rouge, s'il vous plaît. Oui, monsieur. D'habitude, les techniciens s'occupent de vos détecteurs de visée, mais là, le temps presse, chef. Oui. Fixez du regard chacun des panneaux clignotants pour les viser. Une fois verrouillés, ils changeront de couleur. Ok, ça a l'air bon. Chef, il y a des erreurs de calibration. Je vais inverser la séquence de vos détecteurs de visée. Ouais. Vous me direz si c'est mieux. Réessayez de viser les voyants clignotants. C'est mieux ou j'annule? Non, c'est pas mieux. Ok, regardez de nouveau en haut et en bas, s'il vous plaît. Ça vous convient comme ça ou je remodifie? Non, c'est bon. Ok, je maintiens la séquence normale. Si nécessaire, vous la changerez vous-même. Avant, il était avec ses petits panneaux, maintenant... Je suis prêt à tester les boucliers énergétiques. Suivez-moi, nous allons tester vos boucliers énergétiques.
Combattants, contactez les positions défensives Alpha à Sierra. Vaisseau d'abordage des Covenants en approche. Parez à repousser les assaillants. C'est vrai que ça fait bizarre de devoir... devoir parler. Ça fait un moment que je souhaitais le faire. Mettez-vous sur le carré jaune, ça ne prendra donc qu'une seconde. Je pense avoir du mal sur les débuts à être vraiment... Je dirais être vraiment occupé, à vous occuper, que ce soit au niveau de la voix. Bien, chef. Donc j'ai tellement de choses à dire, mais je dirais tellement peur de dire de la merde. Donc il faut bien commencer, comme dirait l'autre. Mais bon, comme on dit, pour commencer, c'est d'abord les let's play. Recharge et on normal, verra par la suite, selon ce que vous me dites, selon comment je dois m'enclencher avec vous. Capitaine Keyes, envoyez immédiatement l'adjudant sur le pont. Capitaine, nous devons diagnostiquer les armes et je... C'est un ordre. Et j'espère simplement évoluer très loin avec vous. On vous trouvera des armes plus tard. Ok, mais je lance le diagnostic automatique. Je n'ai pas envie de m'amuser à... Je dirais couper mes vidéos. Quand je fais des let's play, si je me loupe dans les paroles, bah, je me foutra ma gueule, hein, s'il faut. Non, meurs. On se foutra sûrement de ma gueule sur ma façon de parler. Mais je préfère, en toute honnêteté, que... Que je rectifie, que je m'améliore. Que c'est toujours mieux, plus sympathique. Je dirais au moins, ça me permet de créer un lien avec vous. Plutôt avec ceux qui souhaitent créer un lien. Je sais que moi je prends en humain, donc je sais très bien que beaucoup râlent, mais qu'on peut faire confiance à bon nombre d'entre vous. Je suis quelqu'un qui fait principalement confiance à l'intelligence humaine. Donc, oh là 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 là! J'aimerais une petite arme quand même, monsieur. Merci. Chef, Cortana a dit de rejoindre immédiatement la passerelle. Ouais. La passerelle. Ah oui, j'avais oublié la touche. Ils vont quand même bien évoluer. Ah ouais, on passe de vieux poteaux triangulaires. Par contre, j'aimerais passer, monsieur. C'était bien sombre, c'est vrai que là ça a vraiment évolué. On passe de côté hyper sombre à... Ouais, c'était tout lisse, hein. C'est vrai que... On a du mal à le croire, on a du mal à s'imaginer l'effort qu'on a pu fournir. Graphiquement, bah c'est sûr, il y en a toujours pour râler. Capitaine Keyes. Mais on peut rien dire à ce niveau-là. Ravi de vous voir, adjudant. À tout de suite. Les choses tournent mal. Cortana a fait de son mieux, mais c'était perdu d'avance. Une douzaine de cuirassés des Covenants contre un seul croiseur de classe Alcyon. Vu la situation, je suis contente avec trois. En fait, quatre cibles abattues. Bien dormi? Oui, mais pas grâce à votre pilotage. Je ne faisais que vous bercer. Au rapport. Ça doit être un de leurs groupes d'abordage. Une charge antimatière, j'imagine. Madame! La conduite de tir du canon principal est désactivée! Capitaine, le canon était ma dernière option offensive. Très bien. J'applique le protocole Cole, article 2. On abandonne l'automne. Et vous aussi, Cortana. Et pendant ce temps, vous coulez avec le navire? C'est à peu près ça. L'objet qu'on a trouvé, je vais essayer d'y poser l'automne. Sauf votre respect, chef. Cette guerre a déjà tué trop de héros. J'apprécie votre intérêt, Cortana. Mais le protocole est clair. La destruction ou la capture d'une intelligence embarquée est hors de question. Ce qui veut dire que vous devez quitter le vaisseau. Désignez plusieurs zones d'atterrissage, téléchargez-les dans mon réseau neural et préparez-vous à un dur transfert. Aïe aïe, chef. C'est là que vous intervenez, adjudant. Débarquez Cortana du vaisseau. Mettez-la à l'abri de l'ennemi. S'il la capture, ils sauront tout sur nous. Dispositif, recherche en armement. La Terre. Je comprends. L'automne va continuer ses manœuvres jusqu'à ce que vous lanciez la séquence d'atterrissage. Un conseil. Laissez mes sous-programmes superviser l'approche finale.
Excellent travail, Cortana. Merci. Vous êtes prête? Transférez-moi. Bonne chance, adjudant. Votre architecture n'est pas si différente de celle de l'automne? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Il n'est pas chargé. À vous de trouver des munitions. Ça va pas te donner une arme pas chargée. On va aller loin. On va aller loin. Coucou. Au début, c'est vrai que j'ai pensé à jouer... Enfin, à vous enregistrer. Ouais! À vous enregistrer Halo Wars, Halo Reach, dans l'ordre. Mais je me suis dit, pour lancer, on va partir de la base. Les marines ont besoin d'aide, chef. Faites au mieux. Et on verra dans un deuxième temps, après avoir parcouru tous les Halo, vraiment lequel on prendra. Et si on les lancera vraiment dessus. Et donc c'est vrai que ce serait intéressant de faire Halo Wars, Halo Reach, pour avoir un suivi au niveau du temps, même si on n'est pas complètement sur les mêmes histoires. C'est vrai qu'ayant lu les livres, enfin certains d'entre eux, principalement les livres menant à la nouvelle trilogie, les premiers type Halo CE et tout, je les ai pas forcément lus, j'ai les résumés, mais je pensais vraiment faire un résumé partant de la base de l'histoire de Halo jusqu'à son apogée. Sauf que je pense que ça va être un peu plus long que prévu. Donc on va d'abord commencer tranquillement, gentiment. Et si ça en intéresse plus d'un, bien sûr on se lancera dans cette folle épopée. Qui pourrait être plus qu'intéressante. Oui, c'est bien. Combattant des ponts 7 et 8. Décroché en position défensive secondaire. Les vies à l'ancienne. C'est vrai que dans les premiers, on ne pouvait pas courir. Ah. Bon, on peut jouer longtemps comme ça. Hein. Dieu merci, c'est ça. Qu'est-ce que c'était? On a été touché. Allez-vous-en, retournez au sas. Allez les potes. On y va, on canarde tout, comme on fait habituellement. Ok. Vous préférez faire l'inverse. Heureusement que j'ai pas remis en héroïque, parce que là, je me serais fait mais défoncer la tête. Allez, les petits packs à l'ancienne. Allez, on y défonce. Ils utilisent les sas de nos nacelles de survie pour aborder. On sort et ils entrent. Ils sont malins. Réserve des ponts 5 à 9. Décroché en position défensive secondaire. Oui, chef. Non, donc le temps d'adaptation, là, le temps de me reprendre, je pense que ça va être assez rapide. Vu que là, pendant un moment, j'étais parti sur PC, c'est vrai que la manette, je l'avais un peu lâché. Donc je vais essayer de maintenir un rythme de 2 vidéos par semaine. Donc je pense principalement donc, le mercredi et le samedi. Donc, sachant que j'enregistrais principalement le samedi, vu que j'ai un travail qui prend énormément de temps. Donc je ne pourrais pas me permettre de faire des lives comme certains font. Je vais être principalement, je dirais, sur des vidéos classiques pour commencer. Et après, bah bien sûr, les lives Twitch et tout, je pourrais vous annoncer quand je me relancerai dessus. Mais pour le moment, c'est vrai que ce n'est pas vraiment prévu. On va d'abord tranquillement faire ses missions. Donc j'enregistrerai principalement les vidéos le samedi et je les publierai. Si j'arrive à faire plus, je ferai plus.
C'est vrai que j'aimerais bien atteindre un stade de 3 à 4 vidéos par semaine, ce qui est quand même énorme hein, sur 7 jours. Donc vous soyez au maximum gâtés les vidéos. Comme ma femme le dirait, vous êtes tous des petits loulous. Allez, toi, dans ta tête. Là, pardon, monsieur. Une petite vie par ici. Ah, les vidéos, ça devrait faire du bien. On m'a souvent dit que je parlais tout seul, donc derrière, on va pas avoir trop de soucis à vous parler. C'est vrai que là, la première vidéo, on peut parler. J'ai pas vraiment grand chose à vous dire. Beaucoup de choses personnelles. Pour le moment, j'ai pas vraiment envie de dévoiler ma vie privée. Vous connaissez tous en tout. Avec ma femme qui doit normalement se tenir, m'étonnerait qu'elle y arrive. Plus de 3 vidéos de suite. Hop, coucou monsieur. Là, on voit vraiment l'évolution. C'est vraiment. Ils ont vraiment fait du progrès. Donc on a beau dire ce qu'on veut, hein, que les vidéos, les jeux se dégraisse au niveau de la qualité, sont dégressifs au niveau qualitatif, mais je serais jamais autant satisfait que ce jeu Halo. Et c'est vrai qu'un petit Call of remasterisé, c'est vrai que ça pourrait pas faire de mal. Donc pardon pour tous les pros Battlefield, mais oui, j'aime Call of aussi. Donc dans les premières vidéos, je vous mettrai dans le lien un texte qui sera récurrent, ce sera le même, un copier-coller basique. Donc je ne sais pas ce que je fais là, je tourne en rond. Équipage et personnel opérationnel des ponts 9 à 12, joignez les postes d'évacuation immédiatement. Je sais même pas où je vais. Je vais tourner en arrière. Je me suis complètement paumé. Alors que tu peux pas te paumer dans ce jeu. Oui, donc comme je vous disais, je vais avoir dans la description, j'aurai un texte assez basique où ça. Ça répétera, je pense, tout ce que j'ai pu vous dire, donc concernant mes objectifs. Je tourne vraiment en rond, là. Attendez, je vais me taire 2 minutes. Comment je fais pour tourner en rond? Alors qu'il n'y a qu'une seule zone. Là. Puisque, là, pas de soucis. Par ici. Je le fais exprès là, c'est pas possible. Putain, vous pouvez m'insulter là. Vu que j'ai pas de carte, que j'ai rien du tout. Je les vois tous tourner en rond là. Aucun signe de. Je vais vraiment, mais. Je fais n'importe quoi là. Là, zone 32, j'ai pris mon bouclier. Là, on descend. Hop, eux, on les a tués. On part ici. Ah, bah, je suis coupé. En fait, j'ai pas tourné en rond, c'est juste que j'ai oublié 3 fois la sortie. Rejoignez les postes d'évacuation. Ça peut pas être plus concret. Il se pose au-dessus de nous. On va augmenter juste un peu la sensibilité là. Elle me paraît un peu faible quand même.
Coucou les amis. Coucou. La lumière peut-être. Ça ira mieux parce que c'est vrai que d'habitude. Je pense que je foncerai un peu l'écran quand même parce que je joue avec des écrans assez clairs. À tout l'équipage, ici le capitaine. Noir, abandonnez bien, le vaisseau. J'aime bien voir combattant, un maximum de aller jusqu'au départ du personnel opérationnel. Bonne chance. Les nacelles de survie ont été lancées. Adieu. Dépêchons-nous. Oui, ils veulent tous mourir. Les Covenants détruisent les nacelles de survie. Ils ne veulent pas de nous sur ces cartes. Chacun son style. Rejoignez les postes d'évacuation les plus proches. Attention, fermeture de porte. Il faut emprunter les issues de maintenance du vaisseau. Oui. Suivez le point de navigation, il vous guidera vers une sortie. Ben voilà. Les points de navigation sont des indicateurs temporaires apparaissant sur votre viseur, tête et hauteur. Navigation indique la direction. Si indique la distance et la direction, il faut éviter de se chier au niveau des sorties. Je crois que c'est là où il y a des petits hunters. Je détecte la présence de Covenants derrière les issues. Détecteur de mouvement activé. Trouvons un chemin sûr. Ouais, un chemin sûr, on va voir. On est trop près. Il faut Attendez, trouver un autre il faut chemin. Qu'on passe par cette porte, ouais. Mais elle a été endommagée par une explosion. Analyse. La porte du mécanisme de contrôle est désactivée. Mais elle a subi pas mal de dégâts. On devrait pouvoir l'enfoncer avec la tranche de votre arme. Le détecteur indique que voilà. La voie est libre. Un petit coup de crosse, ça fait pas de mal. Coucou les copains. Ça t'as pas envie, hein. Ça, t'es... ça tu peux pas me laisser tranquille. Hein. Je vais pas laisser tomber de grenade ni rien non plus. Baissez la tête. N'oubliez pas qu'on est deux là-dedans. On est deux, c'est moi qui fais tout le boulot. Coucou. Combattant Sierra à Victor, préparez-vous à évacuer. Les Covenants. Bon, on a inversé les rôles, on dirait. Vous étiez en haut. Et ben maintenant c'est moi. Eh oui, on est beau. Allez, c'est parti. Cadeau. Ouais, on va éviter de rester trop longtemps. C'est pour exploser, c'est pas la peine. Jelly, attends s'il te plaît. Ouais, c'est mon chien. Donc, vous risquez d'entendre ce nom assez longtemps. Sachant qu'elle me saute souvent dessus. Ouais. Allez, pas tes potes, il risque de plus dormir après. Si on voit que c'est vraiment trop facile, on augmentera sûrement la difficulté. Le but n'étant pas de mourir toutes les deux minutes, bien sûr. Si réellement à des moments je me retrouve bloqué, bah bien sûr, je vais prendre ce que je veux dire, je vais éviter. Même temps que le jeu revienne en tête, on va se laisser un petit peu de marge. Vraiment si c'est trop long, hop. Ce serait vraiment une bonne idée combien de filer. Temps encore le Pillar of Autumn tiendra. Allez-y. À vos ordres.
secondes. On va réussir, pas vrai, chef? Mais je veux pas mourir ici. Regardez! Qu'est-ce que c'est que ce truc, lieutenant? Aucune idée, mais on y atterrit. L'automne, il a été touché. J'en étais sûr. L'automne accélère. Qui se passe en manuel? Attention, on y est. Entrez dans l'atmosphère de l'anneau dans 5 secondes. Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous asseoir? Ça va aller. S'il me restait des doigts, je les croiserais. Et bien voilà pour le premier épisode. On va s'arrêter là pour le moment. Donc je vous demanderai un maximum de pouces verts et de commentaires. Que vous puissiez m'aider à m'améliorer, à progresser, puis à continuer avec vous un maximum de temps. Donc voilà pour le premier épisode s'intitulant Le Pied à la Rof Autumn. Une petite demi-heure, je dirais, ça va, le temps de se présenter, le temps de se mettre en joue. Donc on va rester sur des vidéos de ce type, de cette durée. Donc en espérant que ça vous ait fait plaisir, que derrière je ne vous sois pas été trop long ou trop chiant. J'éviterai de me répéter sur ce genre de choses sur la prochaine vidéo. Mais c'est vrai que là on dirait pas, mais un petit peu stressé. Ça me fait un grand plaisir en tout cas de partager cette expérience avec vous. Surtout cet amour du jeu vidéo. Donc en espérant continuer très longtemps avec vous. Donc ce n'est qu'un début, c'est vraiment que la première vidéo. J'espère en faire plein. Que vous soyez 10, que vous soyez 100, que vous soyez 1000 ou plus, je m'en fiche. Le principal, c'est que tous ceux qui regardent mes vidéos se fassent plaisir. Ceux qui ne sont pas attirés par mes vidéos, je vous demanderai simplement de ne pas vouloir m'insulter dans tous les sens, parce que ce n'est pas intéressant, ça n'aide en rien. Ou si c'est des commentaires négatifs, au moins, si vous avez l'honneur, c'est qu'ils soient instructifs et assez complets, que ce soit utile. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous mes loulous, je vous fais des gros bisous, je vous dis un petit ciao et à très bientôt. Allez.